avec nous là. Si monsieur défend nous dans royal là, m'tap salon bela soya là. Parce que moi c'est pays m'a défendre et pas on nèg m'a défendre. Si monsieur te gen malheur là pour la dou bon, c'est négociation, la la lose, même Jacques magistrat va dans mettre là, cap la lose là. Que m'gen temps, lui-même projet comme monsieur. M'gen pour m'vinn li baptiste monsieur pour nous. Parce que là dans nos rangs point de traître. Répétez ça dans oreille magistrat va dans mettre là. Dans nos rangs point de traître. Pas mal comme ça. Allez, si Léon Charles l'après-midi, il te traite, non? Bah, bon, il t'a mal dormi. Il t'a mal dormi. Il toujours attend des émissions. Il t'a mal dormi. Mais là, ils font bête. Il faut nous dire ça. S'ils font un coup, il faut nous dire qu'ils font un coup. Vous comprenez? Parce que quand vous devant eux, vous parlez pour dire pas l'argent lié, quand même son gros coup, il faut apprécier ça. Entendez un extrait dans l'intervention de Léon Charles. Je conseille des quelques faits publiés par le gouvernement de la République d'Haïti en lien avec la construction du canal sur la rivière Massacre. Je voudrais faire référence à l'écrivain Eduardo Galeano, journaliste et poète uruguayen. Là, mon estimable collègue Washington Abdallah serait d'accord avec moi, qui, dans son livre « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », publié en 1971, dénonce une attitude de non-respect généralement affichée envers Haïti. Et je cite « Il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. » Fin de citation. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les malheurs d'Haïti ont été légion au cours des siècles. Et je peux citer brièvement la dette de l'indépendance, les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs, les embargos, les crises politiques à répétition et finalement la crise actuelle caractérisée par la violence aveugle conduite par les gangs armés sur une bonne partie du territoire. La principale cause des problèmes auxquels nous faisons face actuellement est l'insécurité généralisée du fait de l'action des gangs armés. En réponse à la demande du gouvernement de la République, inscrite dans la lettre du Premier ministre, son excellence Dr Ariel Henry, le 8 octobre 2022, ma délégation profite pour remercier les États membres qui ont contribué à l'adoption de la résolution 2699 par le Conseil de sécurité le 2 octobre dernier, autorisant la constitution d'une mission multinationale d'appui à la police nationale. Ma délégation invite les États membres de notre illustre organisation à contribuer par tous les moyens possibles en vue de permettre à la mission d'appui de se constituer effectivement. Monsieur le Président, la République d'Haïti en a assez des crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre Dr Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différent opposant de la République dominicaine et la République d'Haïti, concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les couilles de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribaou, dans le nord-est, a décidé, en 2018, d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier, formé par des affluents pour la source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de contrée Bernard plusieurs affluents pour une naissance dans le versant haïtien de la Cordillère Centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Gens de Nantes et la rivière Lamine. Après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière au niveau de la borne RH-RD13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mansionine. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 29 février 1929, à nos jours, la République dominicaine a construit 12 barrages, ouvrages, sur la rivière Massacre, dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale et n'ont pas été préalablement notifiés à l'État haïtien. Ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain, exploite plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Claire.
Ça a été du canal a véritablement démarré le 2 avril 2021. Mm-hmm. Peu de temps après, les autorités dominicaines ont dénoncé la réalisation de ce travail, mm-hmm. arguant qu'il s'agissait. Oui, on a continué, lui. Les soi-haïtiennes s'est rendu à Santo Domingo mm-hmm. en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ses considérants il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, des agriculteurs de la plaine de Bamaribao ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier officiel de Darabon Mohamed. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain, mettant à exécution les menaces proférées, 3 jours plus tôt, de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie... Non, attendez bien. Je ne vais pas attendre de reste parole. Ti John, tourne ça pour nous. Alors, Léon Charles, ce n'est pas parole, il a brevité, c'est parole gouvernement, bah, l'hypothé. Donc, c'est porte-parole gouvernement dans OEA. Donc, c'est parole gouvernement, mais l'hypothé. Parce que vous avez qui ont dévié parole, tout. Monsieur, porte parole là. Vous comprenez ça, tout. Il est bien porte, il est bien parlé. Mais Ti John, tourne ça. Et ça, vous avez dit ça. Construction, il n'y a pas de camper. C'est ça, il dit, oui, KPK, il n'y a pas de camper, tourne dans le quotidien. À mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Ne va pas s'arrêter. Au regard de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivière frontalière et successive, alimentée par les affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain, n'est profitable ni à la République d'Haïti ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Il condamne fermement le récente décision d'agrandir le canal de la Vigia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Clair. Un gros bon yet, yo monté sous lui, et ça te fait m'dou, moun sa yo, nou pa gen ken bagay ke nou pral di a ki yo. Yo pa respecte, yo passe dans papier. Lè gen l'autre gouvernement de vini, et na négocier avec yo. N'a gen l'autre gouvernement de vini tout. Parce que Ariel pa utile rien, là dans pays, il faut qu'il y aller. Lè gen un gouvernement tout neuf haïtien qui monte, lè gen un gouvernement tout neuf dominicain monte, na chita moun sa yo pour négocier avec yo, mais faut bien négocier. Faut bien négocier. Parce que moun sa yo pa respecte nous trop. Là, ou bien parler, Ti John. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire. Répétez-le encore. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable. Claire. Non, Ti John, tout n'est pas ça, Ti John. Ouais, là, monsieur, parlez bon parole. Aime votre content de discours à net. Aime de l'antique à la dalle. Aime, monsieur, parlez bon. Même si son bagaille au balai, mais l'île bien, l'île propre. Faut ne répondre qu'un bé ça. Donc, gouvernement en OEA, lui dit que canal la pape campé. Son droit de gagner pour construire canal yo. Et bon seul, canal yo, faut construire plusieurs. Et ouais, et ça faut mettre accent sur équitable, qui donc égal égo, juste et équitable, égal égo. Yo gen 12 nous console, gen 11 pour nous fouiller encore. Parlez Ti John. Et on allez, la boîte de l'eau, t'en boîte de l'eau. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Clair. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources à nous partager de la rivière Massacre. Conformément au terme de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur
est une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays, car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité subventionné. Claire. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Claire, trois fois le dit là. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Claire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différentes sollicitations des ressources en eau de la Guerre Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République Dominicaine. Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères adressée au ministère dominicain des Relations extérieures à reprendre les négociations. Le dialogue est un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Les Haïtiens et les Haïtiens en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet parlent d'une seule voix. Quant à la poursuite des travaux, nous dit KPK. Le canal là, pas campé. Ah, mon battant de disque, quoi. Tidjon, tourne ça encore, Tidjon. Un battant de Tidjon, battant de disque, quoi. KPK, dit, oui, oui. Moi, si Léon Charles parle avec, il pas en mime, mais s'il parle avec moi, nous avons dit tout profiter pendant dans OEA. Et faut retourner sur ça, oui. Son coup de main, Léon, là, on va faire un petit coup de main, faut retourner sur ça pour nous, parce que l'autre bataille a mené. Il fait cas de Jacques, son jeune femme haïtienne, en dans aéroport Las Américas. Et mon reportage que je vais passer sur l'île à l'heure. D'ailleurs, on campagne a fait contre nous là. Pas gagné d'ici l'émission, ça va pas descendre tout à l'heure. Parce qu'on campagne a fait là, hein? Yo pas voulu parler vérité avec moi de là. Si Léon, dis que là, dans OEA, là, pral parler, n'a dit Léon, songez ça, mettez-le dans le discours à tout. Tout rappeler OEA, non seulement il a violé droit, non? C'est pas violé droit, seulement comme si vous poussez Uber, non? Il a fait cas de Jacques sous nous tout, en dans aéroport international. Et qui est-ce qui fait ça? Yon agent immigration qui a un bureau le même en dans aéroport. Ouais, là, Léon, faut pas un petit goût, maintenant ça, tout dans OEA. Faut rappeler, les amis, comme je suis Louis Amago, il va vous aller. Faut parler à Zamian pour dire, mon cher, c'est pas ça seulement que vous faites. Nous avons deux dossiers à traiter là, deux dossiers KDJAC.